capacity, Fresh, we thank you for attending this ceremony, but most importantly for the support you have provided throughout the lives of these young adults. We truly appreciate that you have entrusted us with your children at Francophone School and that you value your son or daughter's Francophone identity. Veuillez noter la présence de Madame Louise Legal-Perrin, directrice adjointe de la division scolaire franco-manitobaine, ainsi que Madame Nolande Dupuis, M. Adrien Grenier et M. David Bienfort, commissaire de la région Est pour la DSFM. À présent, j'invite la directrice de l'école Collège Régional Gabrielois, Madame Chantal Legal, à venir partager quelques mots de sagesse avec nos chères finissantes et finissants. Commencer le discours, je pense qu'on doit vous emballer avec du sourire parce que vous nous avez fait ça à l'école. Ce beau groupe de jeunes devant vous a su traverser une pandémie. Vous avez démontré courage, force, ténacité, dévouement et beaucoup de résilience. Vous avez démontré aussi que vous étiez capable de vous adapter à bien des situations. Vous avez été capable de suivre des cours à distance, de venir à l'école à tous les deux jours, de revenir à l'école 5 jours par semaine, de changer de locaux au besoin, de rester à la maison pour suivre des cours, car vous étiez malade, de revenir à l'école 3 semaines plus tard, de garder un contact étroit avec vos enseignants, de revenir à l'école quelques jours pour rédiger un test, de remettre des travaux par Teams, d'appuyer vos amis qui étaient malades à la maison, et de revenir à l'école, car vous vouliez vraiment être avec vos amis pour socialiser et bien sûr apprendre de nouvelles connaissances. C'est essoufflant tout ça, n'est-ce pas? Bravo! Vous étiez vraiment extraordinaire. Dans toutes les circonstances, vous n'avez pas pu pleinement vivre l'expérience de 4 belles années à l'école. Mais nous voilà devant vous, et vous devant nous, et vous avez réussi. Nous sommes tellement fiers de vous, tellement. Je pense qu'on pourrait les applaudir. De par votre détermination et votre résilience, vous avez su marquer l'école à votre manière. Vous avez su nous faire rire en décorant justement les corridors de l'école, ainsi que des photos des membres du personnel affichées sur nos portes de classe ou sur nos portes de bureau. Vous avez aussi été les vainqueurs de la guerre des niveaux grâce à votre capacité de travailler en équipe et votre détermination. Vous êtes nos rois. Vous avez démontré beaucoup de cœur. Vous étiez les leaders naturels qui préparaient des activités culturelles, identitaires ou sportives pour les autres, et pour vous aussi, et pour les autres élèves du secondaire. Vous avez réussi à créer un environnement plaisant où tous les élèves avaient une place pour s'épanouir et réussir. Et pour cela, merci. C'est déjà la fin d'un chapitre pour vous et la nostalgie est au rendez-vous. De nombreux souvenirs, des amitiés profondes et des relations riches de sens ont pris naissance à l'École Gabrielois, à l'école Lajmodière, à l'école Noël Richotte ou à l'école Sainte-Agathe.
Lorsque vous êtes arrivé à l'école secondaire à Gabriel-Roy, vous avez tissé d'autres liens d'amitié. Vous formez maintenant notre beau groupe de 51 finissants de 22 du CRGR. Vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis qui seront là pour vous guider quand vous aurez besoin d'aide. Des amis peuvent remplir votre réservoir de bonté, d'écoute, de générosité et de compassion, et bien d'autres qualités. Ces qualités que vous pouvez aussi donner à vos amis ne coûtent rien comparativement au prix de l'essence. Mais ce qui est spécial est que tout ce qui vient du cœur est souvent gratuit lorsqu'on le donne et lorsqu'on le reçoit. Maintenant que le monde s'ouvre à vous, refusez de stagner et acceptez le fait que vous devrez toujours apprendre. Vous vous engagez sur le tremplin de vie pour vous propulser vers d'autres sommets. Devenez des personnes capables de plus grands projets en contribuant au progrès de la société et surtout, continuez à vous impliquer dans votre communauté ou vos communautés. Continuez à faire des activités que vous aimez, des loisirs, des activités sportives, parce que c'est très important pour le bien-être physique, mental ainsi que social. Vos parents et vos grands-parents, vos oncles et vos tantes vont peut-être verser quelques larmes ce soir en se remémorant votre premier jour d'école et le long chemin parcouru pour arriver devant vous aujourd'hui. Ils seront toujours là pour vous guider et vous offrir leurs conseils. Écoutez-les, s'il vous plaît, car ils sont sages. Ils vous connaissent très, très bien. Mais surtout, aimez et appréciez les membres de vos familles. Il faut savoir apprécier ce que vous avez. À la veille d'entrer dans le monde des adultes, alors notre monde, vous pouvez être fiers du chemin parcouru et soyez assurés, que nous gardons pour vous une place toute particulière dans notre cœur. Ayez confiance en vos capacités et soyez ouverts à tous les moments de bonheur qui se présenteront à vous. Ayez une vie remplie de succès, à la hauteur de vos rêves et de vos ambitions. Que vos aventures vous apportent bonheur et que vous puissiez semer la joie partout où vous irez. C'est pas vrai que j'ai volé votre joie, je vous la redonne ce soir. Soyez dignes et fiers, assumez maintenant votre leadership. Vous faites maintenant partie de la grande famille des diplômés du CRGR. La tradition se poursuit. Chères finissantes et chers finissants, sachez qu'à n'importe quel point, n'importe quel moment, vous pourrez vous rendre à l'école. Nos portes seront toujours ouvertes, car chez nous, c'est chez vous. Le personnel de l'école se joint à moi pour vous souhaiter bonheur et succès. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, Mme Legal. Des paroles qui viennent toujours du cœur. Et c'est quelque chose que nous avons toujours apprécié. Mot de la directrice générale adjointe, j'invite maintenant à Mme Louise Legal-Perrin, oratrice invitée, la directrice générale adjointe de la DSFM, qui adressera à son tour nos finissants. Bonsoir. Chères finissantes et finissants, parents, amis, membres du personnel, invités distingués, commissaires, Madame Legal, Monsieur Loder, au nom de la division scolaire franco-manitobaine, je suis heureuse et très fière de vous adresser la parole en cette journée si importante. La collation des diplômes marque certainement un grand moment dans la vie de nos élèves et leurs familles. En effet, aujourd'hui, chères finissantes et finissants, nous soulignons la fin de votre parcours scolaire à la DSFM. Et vos sourires en disent long. Depuis votre entrée à la DSFM, il s'en est passé des choses. Des comptines à la maternelle, jusqu'au championnat sportif divisionnaire, en passant par les clubs de lecture, les camps, l'harmonie, les sorties scolaires, les voyages, les projets d'art, les rassemblements, les concerts,
les foires de sciences, les projets humanitaires. Vous en avez vécu des moments mémorables. Sans oublier, bien sûr, l'extraordinaire force de résilience que vous avez démontrée à maintes et maintes reprises durant ces deux dernières années. Celle-là, vous vous en souviendrez longtemps. Nous vous avons accompagné tout au long de votre parcours scolaire, nous assurant toujours de nourrir votre soif d'apprendre, de valoriser vos efforts et de célébrer vos succès. Ainsi, vous avez persévéré et grâce au bagage accumulé au fil des ans, c'est à vous qu'il appartient maintenant de construire votre futur à la hauteur de vos aspirations et de vos rêves. Merci à vous, parents et amis, d'avoir accompagné ces jeunes vers la réussite. Le temps, l'énergie, les encouragements que vous leur avez offerts sans relâche au cours des 13 dernières années ont grandement contribué à façonner leur avenir. Merci aussi, chers parents, de croire en la Division scolaire franco-manitobaine, sa mission et ses valeurs. Votre engagement et votre appui servent de piliers à nos communautés scolaires. Au personnel de la DSFM et de l'école, je voudrais vous dire à quel point nous sommes reconnaissants que vous avez été présents dans la vie de ces diplômés. Vous avez entrepris chaque jour le travail exigeant d'éducateur en ayant une influence positive auprès de vos élèves, tout en étant de fiers modèles francophones. Grâce à votre savoir-faire et votre expertise, je vois devant moi de jeunes leaders francophones, des leaders de demain, certes, mais aussi des leaders d'aujourd'hui. Chères finissantes et finissants, soyez fiers de votre culture et continuez d'être des ambassadeurs de notre francophonie, ici et ailleurs. Peu importe ce qui suivra, je suis convaincue que votre bout de chemin à la DSFM vous aurait permis de façonner votre avenir en fonction de vos talents, de vos intérêts et de vos ambitions. Je vous souhaite à chacun d'entre vous de vivre plusieurs autres petits et grands moments qui vous permettront de continuer d'apprendre et grandir. Félicitations. Et bon succès. Merci. Merci beaucoup, Madame Légale Perrin, pour ces mots de sagesse et vos pensées. Nous allons passer à la présentation des enseignantes et enseignants et les membres du soutien de notre école. Comme vous savez, les élèves passent une bonne partie de leur journée à l'école. En plus de développer leurs compétences académiques, les administrateurs, les enseignants, le personnel de soutien tissent des liens spéciaux avec eux en salle de classe et bien souvent après les heures de classe. Nous aimerions présenter les membres du personnel de l'école Collège régional Gabrielois qui sont ici aujourd'hui et qui ont eu le plaisir de travailler auprès de vos enfants pendant des années. Bien que chacun et chacune mérite une bonne reconnaissance, veuillez, s'il vous plaît, attendre à la fin de la présentation avant d'applaudir. Madame Chantal Legal, directrice de l'École Collège régional Gabrielois. Monsieur Daniel Lother, directeur adjoint et éducation physique. Monsieur Roger Vermette, mathématiques et informatique. Monsieur Derek Sabourin, anglais et art dramatique. Madame Lisanne Como, biologie, chimie et sciences de la nature. Monsieur Colin David, anglais, sciences humaines, art dramatique et orthopédagogie. Monsieur Paul Gaudet, physique et mathématiques. Madame Monique Guinette, éducation musicale.
Monsieur Éric Fodor est absent. Il voulait être ici ce soir, mais il est le prof d'anglais. Monsieur Michael Dupuis, éducation physique et mathématiques. Monsieur Chad Learnout, prof de français. Monsieur Robert-Alain Chaput, conseiller au secondaire. Monsieur Bernard Poirier, sciences de la nature, physique, mathématiques et géographie. Madame Joël Worowitz, arts industriels, technologie et arts visuels. Monsieur Colin Tétrault, mathématiques, histoire et sciences humaines. Madame Evelyne Touchette, secrétaire en chef, juste derrière moi. Madame Brenda Arnal, secrétaire. Madame Chantal Verheg, auxiliaire au secondaire. Madame Rosanne Bouvier, auxiliaire au secondaire. Et moi-même, Monsieur Michel Laverne, je me permets de me donner un titre. Oh, j'ai sauté par-dessus la deuxième Verheg. Merci. Madame Cheryl Verheg, secrétaire. La voilà. Et moi, j'enseigne espagnol, histoire, droit et psychologie. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes. J'inviterai notre directrice, Mme Chantal Legal, accompagnée de notre secrétaire en chef, Mme Evelyne Touchette, à remettre les diplômes ainsi que les prix d'excellence et de mérite. Il est à noter que plusieurs élèves recevront des mentions ou des plaques avec leur diplôme. Un diplôme d'excellence est décerné à un élève qui a obtenu une moyenne de 90 % avec 30 crédits ou 85 % avec 32 crédits ou encore 80 % avec 34 crédits. La plaque d'excellence est décernée à l'élève qui a obtenu le meilleur résultat final dans un cours, suivie de la plaque de mérite, quant à elle, est décernée à l'élève qui a obtenu la deuxième meilleure note dans une matière. Notons également que quelques élèves ont obtenu l'excellence ou le mérite lors de l'année 2021, alors qu'ils étaient en 11e, et ils vont recevoir enfin leur plaque ce soir. Désolée. Adrienne York. Oh, oui, c'est vrai. Adrienne planifie de terminer ses études en mécanique à Louisville Arts and Technology Center et de devenir soit soudeuse ou soit mécanicienne. Peyton Wilson. L'année prochaine, Peyton veut faire un stage d'apprentissage en tatouage artistique. Brianne Beauchemin, diplôme d'excellence. Brianne poursuivra ses études en sciences à l'Université du Manitoba. Elle est récipiendaire des bourses suivantes. Université de Saint-Boniface, 2 500 $. L'Université du Manitoba, Queen Elizabeth II Entrance Scholarship, Tier 1, 3 000 $. Riverview Health Center Foundation, Family Education Award, 500 $. Et la bourse Robert Allard de la Société historique métisse, de 500 $. Et en plus, dans ses cours, elle a obtenu le prix d'excellence en mathématiques au quotidien 40S, en français 40S et en biologie 40S. Leanne Lodge, diplôme d'excellence. L'an prochain, Leanne se rendra à l'Université de Saint-Boniface. Elle planifie ensuite poursuivre une formation d'avocate dans une faculté de droit. Elle a obtenu le prix de mérite en psychologie 40S
et la bourse d'admission à l'Université de Saint-Boniface de 1 750 $. Rayane Vermette, diplôme d'excellence. Rayane se rendra à l'Université de North Dakota en automne, là où elle entamera ses études en médecine. Elle a obtenu le prix d'excellence en espagnol 40S, le prix de mérite en chimie 40S et en mathématiques précalcul 40S. Elle a reçu des bourses d'admission à l'Université de Saint-Boniface d'une valeur de 2 500 $ et à l'Université de North Dakota dans le programme d'honneur. Sienna Ireland. Sienna planifie travailler à une station thermale l'année prochaine. Elle souhaite un jour gérer sa propre entreprise dans ce domaine. Émilie Trudeau, diplôme d'excellence. Émilie débutera ses études à l'Université de Saint-Boniface en automne. Elle souhaite poursuivre une carrière éventuelle en droit. Bourse d'admission à l'Université de Saint-Boniface d'une valeur de 1 000 $. Emila Mendez. Emila prévoit poursuivre des études en sciences infirmières à l'Université de Saint-Boniface en automne. Elle reçoit le prix d'excellence en art textile et design 40S et le prix de mérite en espagnol 40S. Megan Mewa Ebot. L'année prochaine, Megan va explorer le marché du travail pour évaluer davantage ses options. Elle considère l'éducation en petite enfance ou même ouvrir sa propre école de danse. Camille Hens. Camille planifie poursuivre ses études en sciences à l'Université du Manitoba en se spécialisant dans le domaine de la cytologie. Elle a reçu une bourse d'admission à l'Université de Saint-Boniface d'une valeur de 2 500 $ et le Gartin Centennial Entrance Scholarship Tier 2 de 2 000 $. Rayane Julien. Rayane poursuivra ses études postsecondaires à l'Université du Manitoba. Son plan d'avenir est de devenir hygiéniste dentaire. Chloé Préger. Diplôme d'excellence. Chloé poursuivra ses études à l'Université de Saint-Boniface l'an prochain. Son but ultime est de devenir avocate. Elle reçoit une bourse d'admission de l'Université de Saint-Boniface de 1 750 $. Carmen Wotherspoon. Carmen prévoit poursuivre des études en sciences infirmières à l'Université de Saint-Boniface en automne. Ariana Pérez. Ariana va explorer le marché du travail et voyager l'année prochaine. Elle cherche à obtenir un emploi avec le gouvernement à long terme. Milia Tétro, diplôme d'excellence. Milia veut devenir enseignante avec spécialisation en jeune enfance dans la DSFM. Elle sera à l'USB en automne.
Elle a reçu une bourse d'admission à l'Université de Saint-Boniface de 2 500 $. Geneviève Blaireau. Geneviève poursuivra ses études en sciences et en agriculture à l'Université du Manitoba l'année prochaine. Annika Moines. En automne, Annika sera à l'Université de Saint-Boniface. Elle planifie poursuivre des études en psychologie. Elle a reçu une bourse d'admission à l'Université de Saint-Boniface, valeur de 1 750 $, et des syndicats des employés et employées nationaux, valeur de 1 000 $. Michaela Weeb. Diplôme d'excellence. Michaela se rendra à l'Université de Winnipeg l'année prochaine et entamera ses études dans le but de devenir une enseignante à l'élémentaire. Elle reçoit le prix d'excellence en biologie 40S et en anglais 40S. Elle reçoit aussi une bourse d'admission de l'Université de Winnipeg. Vanessa Fontaine. Vanessa sera aux études à l'Université du Manitoba en septembre. Elle projette devenir une technicienne en radiographie. Caroline Courcelle. Caroline explorera le marché du travail l'an prochain. Elle explore aussi la possibilité de poursuivre ses études en soins de santé. Jordan Watson. Jordan entrera dans la faculté de sciences à l'Université de Saint-Boniface l'année prochaine. Son plan de carrière est de devenir chiropraticienne. Alexis Bartlett. Diplôme d'excellence. L'année prochaine, Alexis poursuivra ses études à l'Université de Saint-Boniface et prévoit travailler dans le domaine de soins et santé. Elle reçoit le prix d'excellence en biologie 40S et en physique 40S. Elle reçoit aussi le prix de mérite en anglais 40S et en français 40S. En plus, elle reçoit une bourse d'admission à l'Université de Saint-Boniface, valeur de 2 500 $. Natasha Livingston. Diplôme d'excellence. Natasha continuera ses études à l'Université de Saint-Boniface l'année prochaine. Elle souhaite devenir soit enseignante, soit écrivaine. Alyssa Blais. Alyssa poursuivra ses études en histoire ou en anthropologie à l'Université de Saint-Boniface. Elle reçoit la bourse commémorative Justin Robert. Cabrel Sorin. Cabrel fera des études pour un an à l'Université de Saint-Boniface avant de se rendre à Red River College Polytech pour compléter le programme de services paramédicaux.
Il reçoit aussi une bourse d'admission de l'Université de Saint-Boniface, valeur de 1 000 $. Brielle Marion, diplôme d'excellence. Brielle sera à l'USB l'année prochaine. Elle envisage des études en psychologie ou de poursuivre des études dans le domaine du droit. Elle reçoit le prix d'excellence en mathématiques précalcul 40S, en droit 40S, en français 40S, en chimie 40S et en anglais 40S. Elle reçoit aussi la bourse d'admission de l'Université de Saint-Boniface, valeur de 2 500 $. Emily Bennis. Emily planifie de poursuivre ses études en droit à l'Université du Manitoba. Samuel Fiola. Samuel explorera le marché du travail l'année prochaine tout en travaillant sa musique. Il considère aussi ses options en informatique ou en programmation. Noah Muller. L'année prochaine, Noah va explorer le marché du travail. Jax Chamartin. Jax poursuivra ses études à l'Université de Saint-Boniface, où il fera également partie de l'équipe masculine des Rouges au basketball. Il veut être policier à long échéant. Il reçoit la bourse de NIG Legacy Scholarship de 600 $ et une bourse d'admission de l'Université de Saint-Boniface de 750 $. Cédric Lagacé. Cédric poursuivra ses études à Williston State College où il jouera au baseball au niveau collégial. Il planifie se lancer en affaires à long échéant. Jasmine Marquardt. Jasmine débute ses études en génie biomédical en automne. Ce degré lui permettra ainsi de poursuivre une formation éventuelle en chirurgie orthopédiste. Elle reçoit aussi le prix de mérite en physique 40S et une bourse d'admission de Gertin Centennial Entrance Scholarship Tier 2, valeur 2 000 $. Mia McLean. Dans un proche avenir, Mia désire voyager. Elle planifie aussi débuter ses études en art à l'Université du Manitoba. Tatiana Choptuick.
Tatiana explorera le marché du travail l'année prochaine. Elle a aussi un intérêt à poursuivre ses études en administration des affaires dans l'avenir. J'ai un jeune homme qui ne se sent pas très, très bien et il veut être des nôtres. Je veux le mentionner, c'est Richard Boulay. J'aimerais vous mentionner que Richard prévoit poursuivre ses études en administration des affaires. Il s'intéresse aussi à une carrière comme électricien. Lucas Fayes. Lucas complétera ses études à Louis Riel Arts and Technology Center en finissant le programme de métier en construction. Clayton Wilson. L'année prochaine, Clayton compte poursuivre une formation à MITT dans le programme de mécanique automobile. Yannick Dupuis, diplôme d'excellence. Yannick planifie se lancer dans le domaine des métiers, notamment la construction. Il reçoit aussi le prix de mérite technologie de construction 40S. Dominique Johansson. Dominique continuera ses études au Manitoba Institute of Trades and Technology l'année prochaine. Il aspire à être un mécanicien d'entretien à l'avenir. Cabrel Tétro. Cabrel s'oriente envers une carrière avec la Gendarmerie royale du Canada. Félix Lemoine. Diplôme d'excellence. Félix explore toujours ses options. À ce stade, il considère les domaines de détective d'homicide, de soudeur, de musicien et de comédien. Il reçoit le prix d'excellence en mathématiques au quotidien 40S, mathématiques appliquées 40S, français 40S, et il reçoit le prix de mérite en droit 40S. Il a aussi reçu la bourse d'admission Gertin Centennial Entrance Scholarship Tier 2, une valeur de 2 000 $. Kaylin Nordic, diplôme d'excellence. Kaylin cherche à compléter un bac SR avant de poursuivre un degré en thérapie athlétique. Il est aussi recrue au sein de la formation des Rouges au volleyball à l'USB. Il reçoit le prix d'excellence en technologie de construction. Il reçoit aussi des bourses à l'Université de Saint-Boniface, valeur 750 $, et du Bureau de l'éducation française, valeur de 500 $. Ethan Poirier. Ethan veut s'orienter vers les métiers. Il s'intéresse à une carrière soit en mécanique,
soit en architecture. Nathan Roy Chartier. Nathan veut obtenir une certification en tant qu'électricien au Red River College Polytech. Umar Gorel Sissé. Diplôme d'excellence. Umar poursuivra ses études en sciences avec spécialisation en épidémiologie. Il débutera ses études à l'Université de Saint-Boniface en automne. Yannick Labossière. Yannick ira jouer le hockey à Chicago l'année prochaine afin de se préparer à jouer au niveau universitaire aux États-Unis en 2023. Cole Gratton. Cole est inscrit à la faculté de sciences à l'Université de Rochester, à New York, où il jouera au hockey au niveau collégial. Il reçoit ce soir aussi une bourse d'admission de l'Université de Rochester d'une valeur de 23 000 $. Alexandre McDougall. Alexandre va se lancer dans les chantiers de construction pour 2 ans. Il planifie ensuite de retourner à l'école afin de se certifier en gérance de projets de construction. Ethan Montion. L'année prochaine, Ethan va continuer son travail de formation comme électricien et poursuivra éventuellement ses études au Red River College Polytech. Nathan Fillon. Nathan planifie d'explorer le marché du travail l'année prochaine. Bon succès, Nathan. Liam Demetz. L'année prochaine, Liam va continuer sa 2e année en plomberie à Louis Riel Arts and Technology Center. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie du gland. Le motif tire son nom par analogie de forme du récipient servant à broyer des substances chimiques, plus souvent aujourd'hui des épices. Le mortier porté par chaque élève compte 4 côtés, chacun représentant une des années complétées au secondaire. Les franges doivent toujours retomber vers l'avant du mortier, au-dessus de l'œil gauche avant la remise du diplôme et au-dessus de l'œil droit après. Il s'agit encore d'un rythme qui démontre le passage d'un finissant au rang de diplômé. Par ce geste traditionnel, les finissants et finissantes placeront le gland de façon unifiée à la droite de leur moitié, marquant ainsi la fin de leurs études secondaires. Parents et amis, procédons à la cérémonie du gland.
Nous passons maintenant à la présentation des bourses et des certificats. Cette année, le total des bourses décernées aux finissants 2022 s'élève à près de 68 285 $. C'est un estimé. Ceci inclut les bourses d'admission ainsi que toutes autres bourses distribuées lors de cette cérémonie. Nous aimerions vraiment remercier tous les gens qui ont contribué à ces fonds. Nous savons que c'est la façon idéale d'encourager la poursuite des études postsecondaires pour nos élèves. Nous allons commencer avec la remise des bourses de la DSFM. J'invite Mme Louise Legal-Perrin de nouveau à présenter deux de ces bourses décernées à des élèves ayant une moyenne de 75% ou supérieure et qui affichent une fierté envers la langue française et la culture franco-manitobaine. La gagnante de la première bourse est Milia Tétro. Le gagnant de la deuxième bourse est Félix Lemoine. Félicitations, Félix et Emilia, et merci encore une fois, Madame Legal-Perrin. La bourse Chown, j'invite M. Bernard Poirier, enseignant au Collège Gabriel-Roy, à faire la présentation de la bourse Chown à un élève qui a obtenu une moyenne d'au moins 85% au niveau de la 12e année, est inscrit à l'Université du Manitoba, est le diplômé le plus méritant selon les critères établis par l'école. La récipiendaire de la bourse Chown est Brianne Beauchemin. Félicitations, Brianne, et merci beaucoup, M. Poirier. Nous allons passer à la bourse de l'Association des éducatrices et éducateurs franco-manitobains. M. Joël Mangin, ancien directeur adjoint au Collège régional Gabriel-Roy, présentera aussi cette bourse. Chaque année, l'AEFM offre trois bourses à des finissants des élèves de la DSFM. Afin de se mériter une de ces bourses, le ou la finissante doit poursuivre les études postsecondaires en français, promouvoir la langue française et la culture franco-manitobaine et démontrer un intérêt dans le domaine de l'éducation. Cette année, une de nos finissantes s'est méritée une bourse. Et la gagnante de cette bourse est Milia Tétro. Nous avons plusieurs bourses des Chevaliers Colon, divers conseils. Les conseils d'Île-de-Chêne, de Saint-Aubert, de Sainte-Agathe offrent chacun une bourse à un ou une élève méritant ou méritante de l'écart barre oblique Collège régional Gabriel-Roy afin qu'il ou qu'elle puisse poursuivre ses études postsecondaires. Ces bourses sont décernées pour les services rendus à l'école, à la vie étudiantine et à la communauté. Nous allons commencer avec la bourse des Chevaliers Colon, Conseil d'Île-de-Chêne. Il y aura deux bourses présentées par les Chevaliers Colon, Conseil d'Île-de-Chêne. J'invite M. Roger Hince à faire la présentation de la première bourse et à M. Gaétan Beauchemin à faire la présentation de la deuxième bourse. La première gagnante de la bourse est Brianne Beauchemin. La gagnante de la deuxième bourse est Camille Hince.
Félicitations Camille, félicitations Brianne, et merci à M. Hince et à M. Beauchemin. Nous passons à la bourse des Chevaliers Colons, Conseil Saint-Norbert. J'invite M. Derek Sabourin à faire la présentation de la bourse au nom des Chevaliers de Colons de Saint-Norbert. La gagnante de cette bourse est Annika Moines. Bravo, Annika, et merci, M. Sabourin. Bourse de Chevalier de Colomb de Sainte-Agathe. J'invite M. Eugène Lemoine à faire la présentation d'une bourse au nom des Chevaliers de Colomb de Sainte-Agathe. Cette année, le gagnant de cette bourse est Félix Lemoine. Nos félicitations, Félix, et merci, Monsieur Lemoine. Bourse du Comité culturel d'Île-des-Chênes. J'invite M. Robert-Alain Chaput, conseiller au secondaire à notre école, à faire la présentation de cette bourse. Cette bourse est décernée à un élève, une élève d'Île-des-Chênes qui a contribué à sa façon, durant ses études au CRGR, au rayonnement de la culture et de la langue française dans sa communauté. La récipiendaire de cette bourse est Réanne Julien. Nos félicitations, Réanne, et merci, M. Robert-Alain Chaput. Bourse du Catholic Women's League of Notre Dame de Lorette Parish. J'invite Mme Suzanne Moore à faire la présentation de cette bourse. La bourse du Catholic Women's League of Notre Dame Lorette Parish remet une bourse à un finissant ou à une finissante pour sa contribution à la paroisse et à la communauté. Cette année, cette bourse est décernée à Cabrel Sorin. Merci beaucoup, Cabrel. Oh, félicitations, Cabrel. Et merci, madame, si vous pouvez rester pour la prochaine bourse. Très bien. Lorette Thrifty Treasures. Cette bourse est destinée à une personne travaillante qui fait preuve de bénévolat dans des domaines de milieu scolaire, sportif et communautaire. Une considération spéciale est accordée aux élèves qui ont exprimé un besoin financier. Et cette bourse est remise à Brianne Beauchemin. Félicitations, Brianne, et merci, Madame Moore. Bourse de la municipalité de Taché. J'invite M. Justin Boimier, ancien élève de Gabriel Roy, à faire la présentation de cette bourse qui est décernée à deux élèves résidant dans la municipalité de Taché qui poursuivent leurs études, soit au Collège Red River Polytech, soit dans une institution offrant une formation pour devenir pompier ou encore pour d'autres services essentiels de la communauté. Et cette bourse est remise à Chloé Prégère. Félicitations, Chloé. Merci, M. Boimier. Bourse de la municipalité Richotte. J'invite M. Shane Pelletier, conseiller municipal de Deschênes
est aussi ancien élève du Collège régional Gabrielois, il y a longtemps jadis. À faire la présentation de deux bourses décernées à des élèves résidant dans la municipalité de Richotte. Pardon, c'est une élève. Oui. Et qui poursuivent leurs études postsecondaires. La gagnante de cette bourse est Réanne Vermette. Bourse Jeannot Robert. J'invite M. Curtis Clayton, conseiller municipal de Sainte-Agathe, à faire la présentation d'une bourse qui sert à souligner le leadership communautaire d'un élève ou une élève par le biais du bénévolat, du sport ou de l'éducation et qui réside dans la communauté de Sainte-Agathe. Et la gagnante de la bourse est Michaela Weeb. Bravo, Michaela, et merci, M. Clayton. Le Ron Schuller Citizenship Scholarship, MLA Springfield Richotte. J'invite l'honorable M. Ron Schuller, député de l'Assemblée législative du Manitoba. Cette bourse est décernée à l'élève qui illustre mieux un sens de bénévolat et de dévouement au bien commun, une implication à l'école et qui fait preuve de leadership, d'honnêteté, de persévérance, de convivialité et de fiabilité. L'élève doit résider dans la circonscription de Springfield-Richotte. Et cette bourse est donnée à Félix Lemoine. Bourse Case Groupe Financier. J'invite Mme Lisanne Comeau, enseignante au Collège régional Gabriel-Roy, à faire la présentation de cette bourse. La Bourse Case Groupe Financier est attribuée à un élève ou une élève qui démontre un esprit coopératif et communautaire par l'entremise de leadership, mobilisation, participation active ou bénévolat dans son école et dans sa communauté. Le récipiendaire doit être inscrit dans un programme d'études postsecondaires et avoir une excellente moyenne académique. Cette bourse est décernée à Milia Tétro. Félicitations, Milia, et merci, Mme Comeau. Prix Bold Commerce. J'invite Mme Jewel Widowitz à faire la présentation de cette bourse. Cette bourse sera attribuée à un finissant ou à une finissante qui a une aptitude en informatique et en innovation, qui a un potentiel d'entrepreneuriat et qui fait preuve de persévérance. La récipiendaire de cette bourse est Jasmine Marquardt. Félicitations, Jasmine, et merci, Mme Widowitz. Prix Vacuum Depot. J'invite M. Roland Filion à faire la présentation de cette bourse. Cette bourse est décernée à un finissant ou une finissante qui se démarque par sa réussite scolaire et qui poursuit une carrière dans les métiers ou en affaires. Le récipiendaire de cette bourse est Yannick Dupuis. Bravo Yannick et merci beaucoup, M. Filion.
Bus Centennial Gravel. J'invite Madame Monique Guinette à présenter une bourse de la part de Centennial Gravel. La bourse reconnaît un élève ou une élève qui se démarque dans le domaine de la musique ou des arts et qui est impliqué dans des activités musicales ou artistiques à l'extérieur de l'école. Le gagnant ou la gagnante doit poursuivre des études postsecondaires. Cette année, la bourse est remise à Félix Lemoine. Nos sincères félicitations, Félix, et merci, Madame Guinette. Bourse du comité scolaire École, Collège régional Gabriel Roy. Le comité scolaire de l'École, Collège régional Gabriel Roy offre cette année 3 bourses à nos finissants. J'invite Madame Virginie de Vichy à venir présenter les 3 bourses au nom du comité scolaire de Gabriel Roy. La première bourse du comité scolaire de Gabriel Roy est donnée à un finissant ou une finissante qui s'est impliqué durant son parcours scolaire et qui compte poursuivre des études postsecondaires. La gagnante de la première bourse est Alexis Bartlett. Félicitations, Alexis. La deuxième bourse est décernée à un élève ou une élève de la communauté de l'école /Collège régional Gabriel Roy, Île-des-Chênes, Landmark, Niverville ou Grande Pointe. Cet élève doit témoigner du respect à l'égard d'autrui et réussir selon ses forces. La récipiendaire de cette bourse est Camille Hens. La troisième bourse du comité scolaire de Gabriel Roy est offerte à un élève ou une élève qui est assidu, respecté par ses pairs et qui a démontré le désir d'apprendre et à s'améliorer durant son parcours au secondaire. Il s'agit d'un élève ou une élève qui a déployé un effort maximal durant tout son secondaire. Et le gagnant de cette bourse est Nathan Fillion. Félicitations, Alexis, Camille et Nathan. Et merci beaucoup à Madame Virginie de Vichy. Bourse du comité scolaire École La Gimaudière. J'invite M. Paul Gaudet, enseignant au Collège régional Gabriel Roy, à présenter cette bourse. Le comité de parents décerne cette bourse à une élève ou un élève qui a fréquenté l'École La Gimaudière, qui a démontré sa fierté de la langue française et qui a une influence dans la vie étudiantine de l'école, soit en participant à des comités ou clubs de l'école, soit en faisant du bénévolat dans sa communauté. La gagnante de cette bourse est Brielle Marion. Nos félicitations, Brielle, et merci, M. Gaudet. Bourse du comité scolaire École Sainte-Agathe. J'invite Mme Roxane Tétrault, présentement directrice à l'École Sainte-Agathe et représentante au comité scolaire, à présenter cette bourse. Le comité de parents décerne cette bourse à un élève ou une élève qui a fréquenté l'École Sainte-Agathe, est impliqué dans sa communauté et qui fait preuve d'un bon rendement académique. Cette bourse est remise cette année à Réanne Vermette. Félicitations, Réanne, et merci, Madame Tétrault.
l'accent était trop. Bourse du comité scolaire École Noël Richard. J'invite Madame Jennifer Weeb, ancienne directrice adjointe au Collège École, Collège Régional Gaberois, présentement directrice à Noël Richard, de présenter cette bourse. Le comité de parents décerne cette bourse à un élève ou une élève qui a fréquenté l'école Noël Richard et qui reflète les valeurs de son école en étant impliqué dans sa communauté. Et le gagnant de cette bourse est Cédric Lagacé. Félicitations, Cédric, et merci beaucoup, Madame Weeb. Bourse d'admission de l'Université de Saint-Boniface. J'invite Madame Maeva Martinez-Irouith à présenter ses bourses. Les critères de ces bourses d'admission sont, au premier niveau, une moyenne de 80 % ou plus pour une bourse d'admission de 750 $. Au deuxième niveau, une moyenne de 85 % ou plus mérite une bourse d'admission de 1 000 Au troisième niveau, c'est une moyenne de 90 % ou plus qui mérite une bourse d'admission de 1 750 $Et au quatrième niveau, une moyenne de 95 % ou plus qui mérite une bourse d'admission de 2 500 La première gagnante, c'est Alexis Bartlett, une valeur de 2 500 Brianne Beauchemin, 2 500 Jax Chamartin, 750 $. Camille Hince, 2 500 Leanne Lodge, 1 750 $ Brielle Marion, 2 500 Emila Mendez, 1 000 Annika Moines, 1 750 $ Kaylin Nordic, 750 $ Chloé Préget, 1 750 $ Cabrel Sorin, 1 000 Milia Tetro, 2 500 $ Émilie Trudeau, 1 000 Et enfin, Réanne Vermette, 2 500 $ Félicitations à tous nos récipiendaires et merci à Mme Maeva Martinez-Irouith. Bourse commémorative Luc Gosselin. Le 13 avril 2005, Luc Gosselin, un élève de la 10e année au Collège régional Gaberois, nous a quittés. Sa famille et ses amis ont voulu perpétuer le legs
de notre cher Luc en créant la bourse commémorative Luc Gosselin. Depuis juin 2006, la bourse commémorative Luc Gosselin est remise au candidat ou à la candidate qui poursuit des études postsecondaires, entreprend un projet d'exception ou s'applique dans un sport individuel ou un sport d'équipe au niveau élite. Le candidat ou la candidate doit aussi faire preuve de leadership, d'encouragement et d'appui envers ses pairs. De plus, il ou elle doit démontrer une attitude positive et une joie de vivre exceptionnelle, voire contagieuse, en participant avec enthousiasme au développement de sa communauté et de son école. En collaboration avec Francophone, les membres du comité de sélection décerneront deux bourses d'une valeur de 750 $ chacune. J'invite donc à M. Colin David à faire la présentation de deux bourses. La première récipiendaire d'une des bourses de commémorative de Luc Gosselin est Brielle Marion. La deuxième bourse est décernée à Michaela Weeb. Félicitations, Brielle et Michaela, et merci beaucoup, M. David. Présentation des athlètes de l'année. J'invite M. Daniel Lother, au nom du département de l'éducation physique et directeur adjoint, à venir présenter la plaque de reconnaissance à notre athlète de l'année, masculin et féminin. Cette année, un des athlètes que nous aimerons reconnaître au niveau varsity, garçon, est Cabrel Sorin. Et l'athlète de l'année, fille varsity pour 2022, est Annika Moines. Bourse de l'annuaire. J'invite M. Daniel Lother, directeur adjoint de l'école / Collège régional Gabriel Roy, à faire la présentation de deux bourses. La bourse de l'annuaire est offerte à un ou une finissante qui siège au comité de l'annuaire et qui démontre du leadership envers ce projet. La première gagnante de la bourse est Leanne Lodge. Et la deuxième gagnante de cette bourse est Michaela Weeb. Félicitations, Léanne et Michaela, et merci beaucoup, M. Daniel Lother. Bourse du Conseil étudiant CRGR. J'invite M. Colin Tétreau, enseignant au Collège régional Gabriel Roy, à faire la présentation de deux bourses au nom du Conseil étudiant. Deux bourses de leadership sont attribuées à des finissants qui ont contribué de façon significative à la vie étudiantine de l'école durant leur parcours au secondaire. Le premier gagnant de la bourse de leadership est Félix Lemoine. Et la gagnante de la deuxième bourse du Conseil étudiant CRGR est Milia Tétreau.
bourse du personnel école, collège régional Gabriel Roy, j'invite M. Roger Vermette et M. Chadwick Learnout à présenter deux bourses reconnaissant deux élèves modèles pour leur rendement académique exceptionnel, leur agréable personnalité ainsi que leur engagement au niveau scolaire et à la vie étudiantine. Le gagnant de la première bourse est Oumar Gorel Cissé. Nos félicitations, Oumar, et merci, M. Vermette. La gagnante de la deuxième bourse est Milia Tétro. Merci beaucoup, M. Learnout. Félicitations, Milia. Médaille de la gouverneure générale du Canada. La médaille de la gouverneure générale du Canada est décernée à l'élève qui maintient la meilleure moyenne académique au cours des deux dernières années de son cycle d'études secondaires. Une seule médaille est décernée par école. J'invite donc Mme Chantal Legal, directrice de l'école / Collège régional Gabriel Roy, à faire la présentation de la médaille de la gouverneure générale du Canada. Et la détentrice de la médaille est Brielle Marion. Alors, Brielle, comme nous sommes en situation post-pandémique et que tout est en retard, ils sont en train de fabriquer ta médaille en ce moment et ils vont la livrer une fois qu'ils ont trouvé assez de métal pour la faire. C'est actuellement sans farce. Et voilà, ceci met fin à la remise des bourses et des prix. Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à nous et applaudir tous nos récipiendaires et remercier tous nos commanditaires. Comme finissants et finissantes, vous devrez être tous très, très fiers d'être ici ce soir et fiers de vos succès. C'est alors que c'est maintenant à vous, chers finissants, de nous adresser la parole. Nous passons donc au discours d'adieu. J'invite deux élèves élus par leurs camarades de classe, il s'agit de Rayane Vermette et Alexis Bartlett, à prononcer leur discours d'adieu. Bonjour et bonne soirée aux membres du personnel, famille, amis et surtout les finissants de la classe 2022. Je m'appelle Alexis Bartlett. Et je m'appelle Ryan Vermette et c'est un honneur de représenter les finissants. Alors que nous nous tenons ici devant vous comme valedictorians de la classe 2022, nous aimerions prendre le temps d'apprécier l'opportunité et de nous réunir aujourd'hui pour célébrer tous nos accomplissements. Tout le monde dit qu'il faut apprécier le temps pendant le secondaire, dont il passe dans un clin d'œil. On ne comprend jamais vraiment à quel point c'est vrai jusqu'à ce que ce soit fini. Avec la pandémie, ça semble passer encore plus vite. Pour être honnête, écrire ce discours, nous avons eu la difficulté puisque nous avons réellement eu que 2 ans du secondaire. Mais tout de même, nous avons profité de ce temps pour créer beaucoup de souvenirs et vivre des expériences ensemble.
De plus, nous voulons remercier les enseignants détenus à nos côtés pendant les années. Les enseignants étant plus perdus par l'école en ligne que les élèves, vous avez quand même réussi à créer un environnement positif dans le désordre de la pandémie. Les finissants ont été très chanceux d'avoir reçu autant de support des enseignants. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans les conseils et les coups de pouce qu'ils nous ont donnés. Ils ont toujours encouragé la motivation et n'approuveraient pas que l'on se contente de moins de ce que l'on mérite. En commençant le secondaire, nous ne savions pas vraiment d'où on se situe en tant qu'individu, ni où nous pouvions nous imaginer plus tard. Dans le passé, c'était clair que nous étions perdus et toujours vouloir tout comprendre dans le moment même. Laissant le temps couler, nous avons réalisé que ce n'est pas possible. En vérité, la maturité nous conduit dans la bonne direction. Sans aucun doute, nous sommes très fiers d'annoncer que nous sommes diplômés ici aujourd'hui en tant qu'individus avec une meilleure prise sur la vie. Commençant ce nouveau chapitre, nous devrions être fiers de tout ce que nous avons accompli et reconnaissants du chemin parcouru. Alors que nous tournons cette page de notre vie, nous ne sommes peut-être pas en mesure de prédire notre avenir, mais les leçons que nous avons apprises ici à Gab seront toujours précieuses. Pour nous rappeler de cela, on a décidé de partager une lettre écrite pour les futurs de nous-mêmes. Cher futur moi, tout d'abord, je voulais te dire que toi et tous tes camarades de classe avaient l'air super lors de leur soirée de remise des diplômes. Tu es probablement adulte maintenant et tu as oublié ton expérience au secondaire. Le secondaire a eu des hauts et des bas. La petite étudiante du 9e année pensait qu'elle avait compris tout du monde. J'espère que tu as encore cette confiance en soi. Mais la jeune fille avait littéralement très tort. De nouveaux défis se sont présentés à vous à gauche et à droite, à des amitiés et des cours difficiles, puis aux cours en ligne. Mais néanmoins, vous ainsi que tous vos camarades de classe les avez affrontés avec courage. La vie est faite de tant de défis. Continuez à les affronter. Je voulais vous rappeler de quelques leçons importantes que nous avons apprises au secondaire qui, je crois, peuvent être utiles pour continuer à vivre. Tout d'abord, ne jamais faire un rap battle contre M. David. Il a des killer bars. Et si vous avez besoin de vous remettre en forme rapidement, rejoignez M. Tétro pour le course de fond. Mais n'oubliez pas non plus de rester fidèle à vous-même et de profiter de chaque moment de la vie. Restez toujours présent dans le moment présent et appréciez les défis ainsi que les excitations que le monde peut vous apporter. J'espère que vous vous rappelez du sentiment que vous avez éprouvé lorsque vous avez obtenu votre diplôme secondaire. Vous et vos camarades de classe, tous si fiers de vous-même et vos réalisations de ce moment. N'oubliez pas cela. Même si vous pensez que le monde est contre vous, que rien ne va comme vous le voulez et que vous avez l'impression d'avoir touché le fond, petit toi, jeune toi, diplômé de Gabriel Roy, va toujours être fier de vous et toujours vous encourager à réussir. She's always rooting for you. Alors faites-le, allez-y et réussissez dans tout ce que vous faites. L'avenir nous appartient, alors saisis-le. Soyez fidèles à vous-même et profitez de la vie. Profitez de chaque moment. De la part de Petit Toi, finissant 2022 du CRGR, bon courage. Bien que nous n'étions pas en classe pendant une grande partie de nos années scolaires, nous avons quand même appris de nombreuses leçons de vie précieuses tout au long du secondaire. Appréciez chaque moment et ne jamais rien prendre pour acquis. Soyez présent dans le moment et appréciez la vie. Ne vous limitez pas moins de ce que vous méritez. Aspirez-vous d'atteindre la réussite. Alors que nous commençons ce nouveau chapitre de la vie, prenez ces leçons et continuez. Ensemble et séparément, nous sommes tous capables de grandes choses. Merci et bonne chance à la classe de 2022. Merci beaucoup, Réan et Alexis. Je dois dire que le discours était excellent, mais je ne pense pas que les jeunes l'ont entendu en arrière. Donc, je vais le mettre dans Teams pour vous autres. Vous avez consulté et voir tout le discours. Il était vraiment bon. Il n'y a aucun moniteur ici en avant. Donc, vous, la foule, vous entendez très bien, mais nous, on entend très peu. Mais ça va être dans Teams, je le promets. On a vu que c'est un groupe de finissants enthousiastes et doté d'un très bon sens d'humour. Ils aiment décorer notre école. Et en dépit des énormes défis de ces dernières années, vous avez démontré une très forte résilience
qui vous a permis de vous rendre jusqu'ici ce soir. Ce n'est pas facile. Et sous cette loupe, ce n'est pas si surprenant que de voir ce groupe de finissants de revenir quand ils ont participé finalement en octobre dans des équipes, dans leurs équipes sportives. Ils sont revenus avec plusieurs bannières, non seulement de la zone, mais provinciales. En effet, nous n'avons jamais récolté autant de bannières provinciales sportives dans une seule saison. Ça témoigne de beaucoup d'efforts de votre part et une résilience particulière. Donc, moi, je tiens à vous féliciter là-dessus. Et après d'être pris dans vos chambres et en train d'écouter vos enseignants sur des petits écrans ou éteindre votre écran à moitié chemin, après avoir passé une grosse partie de ces dernières deux années, c'est vraiment inspirant pour moi de vous voir étendre vos ailes et poursuivre vos rêves partout sur ce continent, pas juste localement, mais partout. Votre expérience a été, disons, comme classe de finissant unique. Et j'espère que vous avez passé des années mémorables et positives au CRGR. Ne vous gênez pas de venir nous visiter et de vous donner de vos nouvelles et de nous partager vos accomplissements à l'avenir. Nos portes sont toujours ouvertes. J'ai quelques derniers remerciements à faire au nom de la classe de finissants, des enseignants, de l'administration. J'aimerais vous dire, chers finissants, il ne faut pas oublier de remercier vous aussi vos parents, votre famille, vos enseignants et vos amis qui vous portent dans leur cœur depuis longtemps. De la part de tout le personnel du CRGR, je vous souhaite tous bonne chance et bon succès dans vos futures entreprises. Nous voulons remercier les dirigeants et les techniciens de la cathédrale de Saint-Boniface de nous avoir si bien accueillis encore de nouveau cette année. Aussi, nous aimerions sincèrement remercier Mme Louise Legal-Perret, directrice générale adjointe de la DSFM, d'être parmi nous ce soir. Merci aussi à Mme Yolande Dupuis, M. Adrien Grenier et à M. David Vielfort, commissaire à la DSFM, pour leur présence ici. De plus, nous tenons à remercier tous les présentateurs et présentatrices de nous avoir fait l'honneur de leur présence à cette remise de diplôme 2022. Un merci spécial à nos secrétaires, Mme Evelyne Touchette, Brenda Arnall et Cheryl Verig, pour leur dévouement et tout le travail qu'elles ont fait afin d'assurer que cette remise de diplôme soit un grand succès. Merci également à l'équipe des membres du personnel de l'école, Collège régional Gaberois, qui a contribué à la préparation de cette belle cérémonie. Et un dernier remerciement aussi, on réserve pour le comité de finissants 2023 pour un travail très bien exécuté et pour leur appui de cette cérémonie. Nous terminons, mesdames et messieurs et amis, avec un geste de reconnaissance et une marche de sortie. Pour clore cette célébration, un dernier geste sera posé par nos nouveaux diplômés, cette fois-ci envers leurs parents. À la sortie, chacun et chacune présentera une rose rouge à ses parents en signe d'appréciation et de reconnaissance.